Salut à tous, c'est Pierre pour Culture FPV. Aujourd'hui, je vous parle du Iflight Defender 25, un mini quad qui ressemble beaucoup à l'Avata, mais est-ce que c'est pareil? C'est une belle copie ou une imitation? On voit ça tout de suite après le générique, c'est parti. Alors on va déjà déballer la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Donc on va faire juste un petit tour. Donc là on a du QR code pour tous les réseaux de Iflight. De ce côté là du contact et les caractéristiques, je dirais, du produit qu'on a commandé. Le lien du site d'Iflight, le logo d'Iflight. Et en dessous absolument rien du tout. Donc on va faire le tour maintenant de ce qu'il y a dans la boîte. Donc, un petit truc que j'ai remarqué tout à l'heure, j'ai regardé ce qu'on avait dedans, c'est qu'on tend de plus en plus à aller vers le marketing DJI chez Iflight, des belles boîtes ou plug and play, des petites étiquettes, et c'est plutôt cool pour les débutants. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc, en premier lieu, on retrouve un petit sachet avec des petites notices, des petits flyers explicatifs. Donc au début on explique je dirais des généralités sur tout ce qui est Crossfire, donc comme quoi il ne faut pas le régler en dynamique mais plutôt en bloquer à une certaine fréquence. Des règles de sécurité pour le vol, donc voler de manière responsable, voilà, comme quoi c'est pas des jouets. Une petite planche de stickers avec tout ce qui est gamme de chez Iflight, c'est anecdotique mais ça fait toujours plaisir. Un petit manuel pour expliquer comment connecter et binder un récepteur Express LRS Iflight. Et ici je ne parle pas chinois, donc je ne sais pas quoi dire. C'est très certainement, visiblement, une carte de garantie ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc ensuite, on a un petit sachet avec 4 hélices. On va revenir sur les hélices après, ce que c'est globalement. Directement en dessous des hélices, on a le quad. Donc je vais le sortir. Donc, vous voyez, quand je vous disais une petite mousse, tout est parfaitement bien rangé dans la mousse, c'est impeccable. Donc le petit quad directement avec une batterie qui est montée dessus. Dans le packaging de base, c'est une 550 mAh. On en reparlera un peu plus tard. Voilà, c'était juste histoire de sortir le quad. En dessous, on a, hop, je vais revenir dedans. On a un petit sachet avec plein de choses dedans. Donc on a une clé 6 pans pour démonter le quad, hop, ce que je suppose être des pannes lipo, mais j'ai pas trouvé ce que c'était réellement. C'est une matière plutôt collante et molle comme seraient les pannes lipo habituelles, donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Et on a aussi de la visserie, donc du sachet individuel pour de la visserie, c'est toujours une belle aberration, hein, s'il vous plaît les constructeurs. Voilà, je veux pas faire de débat, mais voilà, ça ne sert à rien, on pourrait tout mettre dans un même sachet, on s'en fout, de toute façon c'est pour cracher, c'est du détail, mais voilà. Et enfin, on a un dernier sachet avec des connecteurs pour charger les batteries et un connecteur d'alimentation pour une GoPro Bones. Donc c'est les premières connaissances qui vendent un connecteur pour alimenter directement une GoPro Bones avec un quad. Voilà, moi j'en ai pas personnellement, mais je pense que ça peut être utile pour ceux qui en ont. C'est dommage qu'elle soit pas vendue en France, mais voilà. Et des connecteurs pour la batterie. Donc, parce que vous avez bien dû voir que la batterie était un petit peu spéciale. Donc on va y revenir après. En fait, les batteries, donc pour alléger le poids du quad et des batteries, Iflight a fait l'impasse sur les connecteurs pour limiter au maximum. Donc on a des connecteurs balance qui sont inexistants. En fait, on n'a pas les rallonges de balance comme on pourrait les avoir habituellement. Et donc pour recharger une batterie comme ça, donc qui est constituée d'une prise XT30 mâle et de connecteurs balance, en fait on a une interface. Donc c'est la dernière chose dans la boîte. C'est une interface pour ces batteries-là, et qui permet d'avoir, au final, on branche notre batterie, donc on vient la connecter de manière plug and play comme sur le quad, vous verrez plus tard. On la branche, ça fait contact à ce niveau-là pour les connecteurs de prise balance. Hop, on branche la prise XT30 et là on se retrouve avec une LiPo, je dirais, avec les connecteurs classiques tels qu'on les connaît. Donc on branche soit XT30 vers XT30 ou XT30 vers XT60, la prise valence en rallonge et on vient connecter ça directement à notre chargeur comme on le fera habituellement pour charger une LiPo classique. Attention, ce chargeur là c'est une version de démonstration, donc pardon, ce chargeur, cette interface là c'est une version de démonstration qui nous a envoyé avec le quad et la version définitive elle ressemblera pas mot pour mot à celle que vous avez pu voir là. Donc on a fait le tour, maintenant je vais écarter tout ça sauf la batterie, hop, et on va parler un petit peu plus du quad, mais juste avant je vous fais quelques images pour voir ce que ça donne un peu plus dans le détail. A tout de suite. Donc on se retrouve pour parler du quad en lui-même, de ses dimensions, de son poids. Donc on est sur un quad qui a des dimensions de, hop, je récupère de quoi mesurer, de hop, 150, c'est tout juste limite, 158 par, je suppose également, 155 mm, alors 158 si on compte l'avant, et qui mesure 69 mm de haut. Donc ça je l'invente pas, je l'ai lu tout à l'heure. Je mesure pas. Pour le poids, on est sur un poids vide, donc sans batterie, de 180 grammes ici et de 249 grammes avec une batterie 550 mAh, ce qui permet d'être en sub 250 grammes, donc ce qui est plus simple dans certains cas pour certains scénarios de vol européens. En parlant des batteries, donc là on a une version en 550 mAh, vous voyez 4S 550 mAh. Il existe aussi un modèle de 900 mAh, donc que j'ai ici et que je vais vous ouvrir tout de suite pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et une petite comparaison, c'est pas grand chose, mais ça permet de voir ce que ça donne. Et si jamais vous achetez des batteries en spare, vous verrez comment c'est livré également. Donc on a une version aussi en 900 mAh, vous voyez 4S 900 mAh cette fois-ci, et qui est exactement de la même taille. Mais par contre, la capacité des cellules à l'intérieur doit être supérieure. Bah, c'est pas doit être, mais va être supérieure. On sent bien que celle-là est un petit peu plus lourde et que ça se tient justement pour arriver au poids. Et donc avec une batterie de 900 mAh, l'ensemble quad et batterie monte à 280 grammes. Donc Iflight nous vend une autonomie de 6 minutes avec la petite batterie, une petite batterie 550 mAh, et une autonomie de 10 minutes avec la 900 mAh. Bien entendu, on peut aussi également monter des LiPo classiques. C'est un connecteur en XT30. Et donc, si on se trouve un système de fixation, ce que j'ai pas vu pour l'instant, j'ai pas vu de méthode facile pour adapter. Iflight ne freine pas du tout. C'est quelque chose qui, sur lesquels ils insistent. En fait, ils disent bien, on propose des batteries faciles et plug and play, mais ça ne veut pas dire qu'on bride l'utilisation de la LiPo classique. Donc voilà, si vous êtes libre à vous de monter une 4S classique si vous en avez et que vous trouvez comment la fixer. Donc on a fait le tour, les petites recommandations sur les batteries, donc ça dit bien, donc ça c'est une étiquette inutile puisqu'il y a des trompeurs. Pour de meilleures performances, il faut placer la batterie dans le centre de gravité, donc du quad, bah, ça c'est logique et de toute façon on ne peut pas se planter. On a des petites étiquettes aussi à ce niveau-là, donc je ne sais pas ce que vous allez voir, ça nous dit que... Hop, donc soyez attentifs quand vous changez les paramètres, ça peut créer des comportements de vol non voulus, non désirés, je dirais. Et de l'autre côté, ça dit que je suis un BNF pré-tuné de chez Iflight, vous avez juste à bind et voler. Une autre petite étiquette qui nous dit ici donc que le mode angle est activé par défaut. Et donc que ça nous dit d'être sûr de faire gaffe pour le premier vol. Et la dernière étiquette que j'ai vue tout à l'heure, c'était à ce niveau-là, qui nous dit Link Button. Je ne sais pas si vous voyez ici, normalement on voit, je ne sais pas dans quelle mesure on voit sur le retour. Link Button, donc c'est juste pour appairer le O3 et on y reviendra après. L'ensemble du quad est fait à partir d'une frame de Defender 25, donc de 2 pouces et demi, c'est logique, qui ressemble beaucoup à une frame de ProTek, les ProTek de chez Iflight, et c'est entre guillemets le successeur du ProTek. Ils vendent comme quoi ça fait 2 ans que la série ProTek est sortie et que c'est le successeur. Donc la frame est faite en plastique injecté et par-dessus, donc la frame intégralement là, et par-dessus, donc on la voit ici, on a une frame en carbone de 2,5 mm pour maintenir l'ensemble. À l'avant de la frame, on se retrouve avec un support de caméra, donc en plastique injecté aussi, donc une caméra de DJI O3 et un support au format, dessus on a un support au format micro pour des cams d'action légère, donc typiquement la GoPro Bones justement qu'on peut alimenter visiblement avec le câble, hop, avec ce câble là, et j'ai cru voir tout à l'heure à l'intérieur sous la caméra, donc on ne devrait pas voir, je ne sais pas si on verra, si on voit un petit connecteur blanc qui je suppose est une prolongation du câble pour pouvoir alimenter la GoPro hop, juste à côté. Au milieu de la frame, on a deux clips pour les batteries, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on vient bloquer la batterie dans la petite encoche ici, on appuie puisque c'est des clips à ressort, hop, et la batterie est maintenue, et en fait visiblement elle bouge quasiment pas, il y a un tout petit jeu mais c'est impeccable, ça n'a pas l'air de bouger. Ça... Et à la fin, tout à l'arrière, on a un support pour le connecteur XT30. En dessous, merde, je viens de mettre le doigt sur l'objectif. Bon. En dessous, on n'a pas grand-chose à part 4 pieds. Donc tout ce qui est électronique est protégé, on décolle d'une surface plane. On n'a rien d'autre. Donc la première impression que j'ai eue sur cette frame-là, c'est que ça fait très plastique, mais en même temps c'est quand même très, très rigide aussi, l'ensemble est vraiment rigide, on a beau essayer de forcer, il y a quasiment rien qui bouge, et c'est plutôt épais en fait, donc ça fait très plastique, mais c'est aussi très rigide et épais. Est-ce que ça tiendra au choc dans le temps? Ça on verra à l'usage, mais ça me fait pas vraiment trop peur. Donc pour parler de ce qui est monté sur cette frame. Sur cette frame, on a des moteurs de chez Iflight, donc des Defender 25, donc pas d'inscription dessus, qui sont montés en pusher. La seule inscription dessus, c'est le sens des hélices. Vous voyez, sur chaque moteur, on se retrouve avec le sens des hélices indiqué, le sens de rotation. Et donc ça, c'est vraiment l'esprit débutant qui permet de dire on ne peut pas se planter sur le montage des hélices. Donc les moteurs, hein, c'est du 1404 en 4150 kV. Les hélices qui sont montées dessus, c'est des Defender 25. Encore une fois, donc Defender pour la référence au nom de la frame. Et un truc qui est marrant, c'est que c'est des 25-25 les hélices. Pas de souci d'inversion des hélices justement parce qu'on a le sens inscrit sur le moteur. Le tout fonctionne, donc le tout est alimenté, on la voit pas, elle est vraiment planquée directement, même sous le carbone. Le tout fonctionne avec une Blitz D25 F7 I.O. On n'a pas vraiment d'infos sur cette FC, tout ce que j'ai trouvé c'est que sur cette FC là on avait un baromètre, un bec de 5 volts, 2,5 A, donc pour le O3, un pas de LED et visiblement un buzzer. Est-ce que je ne l'ai pas vu là à première vue? Est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'il existe? Je ne sais pas. J'ai pas d'infos sur le nombre du HART non plus, et c'est un peu dommage. J'ai pas pu y accéder parce que j'ai voulu regarder comment démonter ça, mais il y avait beaucoup de boulot et je voulais pas démonter tout de suite et prendre le risque qu'il y ait quelque chose qui soit mal remonté et qu'après ça vibre sur les premiers vols. Donc je verrai plus tard dans quelle mesure on peut démonter et vous montrer ce qu'il y a. Mais en tous les cas, j'essaierai d'afficher les composants dans la vidéo. Un petit truc à savoir sur cette FC là, c'est que la version HD, donc celle qu'on a, n'a pas d'OSD analogique, mais par contre elle est vendue avec une déclinaison avec une puce OSD. Donc si vous voulez monter, changer et monter une cam analogique, c'est possible. Ou vous montez un quad avec cette FC là. Donc on se connecte à la FC avec une petite rallonge USB-C qui est montée à l'arrière du quad. Et on a une petite LED RGB juste en dessous, donc pour afficher différents statuts de vol sur le quad. Le SC intégré à la FC, c'est un 20 A en pic qui prend du 2 au 6S, et, pardon, 20 A en continu et 30 en pic, et qui est pas plus d'infos, qui est compatible des shots bidirectionnels seulement, et donc je suppose, je confonds toujours les protocoles, je le rajouterai. Et donc le plus intéressant pour ce quad-là et le concept en lui-même, c'est la partie vidéo. Donc on est sur un DJI O3 qui est dedans, la caméra est montée sur des dampers ici, pour limiter au maximum les vibrations, et donc ça permettra, le O3 en lui-même permet de s'affranchir d'une caméra HD, donc ce qui limite le poids. On a un whoop de 250 grammes qui ramène des images normalement plutôt qualitatives. Alors je dis qualitatives parce que je me fie seulement aux reviews que j'ai vues, j'ai pas encore eu l'occasion de voler avec un O3, ça va être l'occasion, et donc ça, ça me permettra de me faire une véritable idée, mais d'après les retours, l'image est très bonne. Les antennes, une petite particularité sur ce quad, je ne sais pas si ça vous a choqué ou pas, mais on ne voit pas d'antenne sur le quad, pas d'antenne apparente. Donc il faut savoir que les antennes du O3 sont intégrées à la frame, donc sous chaque pied à ce niveau-là, on a une antenne, et une antenne, en fait, ça ressemble à ça. Donc elles sont collées dans les pieds, et ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger et compact. Pareil pour les antennes de RX qui sont, alors je ne sais pas dans quelle mesure on pourra... Ah si, normalement on devrait les voir là. Elles sont collées à l'intérieur de la frame, donc dans ce cas-là le Nano RX. Elles sont collées dedans, et ce qui fait qu'il n'y a rien d'apparent. Donc je vous parlais d'antennes et de RX, donc dans ce cas-là, on a un Nano RX sur cette version-là. Le Defender 25, il existe en version Crossfire, Express LRS 900 MHz et 2,4 GHz, et aussi avec la radio native DJI qui est sur le O3, donc si vous avez une radio DJI, ça va marcher aussi. Donc je reviens sur le fait que ça tende à être une machine adaptée pour des entre guillemets débutants, parce qu'on a vraiment tout qui est tout ce qui est nécessaire pour binder et voler, pardon. Tout est facile en fait, il y a un turtle mode qui est activé nativement, on a un mode angle qui est réglé de base pour forcer l'apprentissage sans trop de problèmes. Les directions des hélices sont sur les moteurs, ça confirme le fait que je pense que Iflight tend à adopter une stratégie commerciale pour proposer du BNF un peu à la entre guillemets DJI, aussi bien dans le packaging que les features. Et donc ça... À première vue, ça tend à proposer un BNF facile à prendre en main. Juste avant de parler prix, donc un petit truc, c'est la question que je me posais au départ, est-ce que le Defender 25 peut remplacer l'Avata? Donc dans les infos qu'Iflight nous donne, il précise bien qu'ils ne vendent pas le Defender pour être un Avata. Ils disent qu'on n'a pas besoin d'un second Avata. Ils disent plutôt qu'ils ont mis l'accent sur la performance FPV, donc ce qui fait qu'on n'aura pas toutes les fonctionnalités de l'Avata, donc comme le maintien en altitude, le temps de vol, mais que la performance en elle-même sera vraiment du pur FPV. Voilà, c'est le petit argument commercial. Est-ce que ça se tient dans la réalité? On verra. Mais ça a le mérite d'être dit. Donc voilà tout. On est sur un ensemble qui est vendu 568 $, donc 525 €, avec des batteries à 16 € pour la petite version 550 mAh et 22 € pour la version 900 mAh. Donc ça reste dans l'ordre de prix une batterie 4S classique. Le quad par contre, lui, ça peut paraître beaucoup. Donc 500 €, ça peut paraître beaucoup, mais il ne faut pas oublier que dedans on a le O3 à 250 € et que ça peut éviter d'embarquer une GoPro, la casse et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, ça reste dans une fourchette de prix plutôt haute, mais acceptable si le matériel est de qualité et qu'au final ça tient ses promesses. Alors, est-ce que le reste du matos, donc les composants, l'AFC, les moteurs, la frame, tout, et la recherche et le développement derrière tout ça, parce que il y a plein de petits trucs qui ont été pensés sur ça, est-ce que ça vaut 250 €? Eh ben, je bind, je charge les batteries, et puis on voit ça tout de suite en vol. On se retrouve quelques jours après l'unboxing, ce qui m'a permis de bien voler avec le Defender et de me faire une idée précise de ce que ça vaut. Alors la question que je me posais au tout départ, c'est est-ce que c'est une belle copie de l'Avata ou une bête imitation? Donc pour la partie expérience utilisateur, je trouve que on est sur une équivalence Avata et DJI. Je vous explique. On a tout ce qui est expérience DJI, donc une belle boîte, des stickers partout sur le quad pour vraiment indiquer le sens de rotation des moteurs, l'endroit où se trouve le bouton bind, etc., etc. On a aussi tout ce qui est aide pour les débutants, donc mode angle, turtle mode, qui sont intégrés de base, et on n'a pas besoin de se prendre la tête sur Betaflight pour pouvoir les utiliser. C'est quelque chose qui facilite l'accès à la discipline avec un quad de ce genre. C'est vraiment un BNF comme on l'attend en fait, on bind et on vole, et ça vole correctement, ça on verra ça après. Donc pour moi l'expérience utilisateur elle est validée. On va maintenant passer à la partie un petit peu plus retour d'expérience sur le matériel. J'ai un premier point positif, c'est le fait que la frame soit vraiment résistante. Au tout départ je me disais ouais, ça fait un plastique un peu cheap. mais finalement à l'expérience, eh ben, on voit que ça a pris quelques pelles et la frame tient toujours le choc. Vous en verrez même une à la fin, une des pelles, et ça tient bien et ça n'a pas bougé. Donc pour moi la durabilité dans le temps de la frame, elle est pas trop mal et ça s'annonce bien. Un truc qui me plaît un petit peu moins par contre, c'est l'accessibilité du bouton bind du O3. C'est une galère sans nom. Le bouton il est planqué dans la frame, même avec les plus petits tournevis qu'on ait, c'est super compliqué d'y accéder, il faut vraiment avoir un tout petit outil dédié, et si vous l'avez pas, vous volez pas. Si vous êtes comme moi, que vous avez un masque V2 et que vous volez encore avec l'ancienne génération de Air Unit et Vista, vous savez qu'il faut switcher entre le O3 et l'ancienne génération, donc rebinder à chaque fois, et c'est super chiant si c'est pas accessible, et là c'est chiant dans ce cas là. Donc vraiment prenez un petit outil dédié, ça vous épargnera des galères et des prises de tête. Et le deuxième point qui m'attriste un petit peu, c'est le fait qu'on n'est pas d'emplacement, le fait que je ne retrouve pas d'emplacement naturel pour mettre un strap lipo. Donc c'est bien, Iflight nous dit c'est pas des batteries propriétaires, vous pouvez monter toutes les batteries en XT30 sur le quad. Alors effectivement, on a vraiment un connecteur XT30 et les lipos classiques marchent dedans. Mais par contre, j'arrive pas à conceptualiser où est-ce qu'on peut passer un strap sur cette frame. À moins de le mettre dans un duct, mais il faudrait que le strap soit très très fin et au risque qu'une hélice le broie s'il y a le moindre problème. C'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Je doute pas que bientôt on aura des petits bricoleurs qui feront des adaptations en impression 3D. Mais voilà, on s'éloigne un petit peu du côté malgré tout accessible et pas propriétaire que Iflight nous vend. Bon voilà, c'est le retour sur la machine en elle-même. Niveau comportement de vol, alors j'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçu. Le quad vole très bien sorti de boîte. Sur le DVR, on voit un petit wobble, mais qui n'apparaît pas pendant le vol. Je veux dire, je l'ai pas vu pendant le vol et ça m'a, du coup, ça m'a pas gêné. Niveau dimensionnement, on est sur un bon équilibre. On a un quad plutôt léger avec un combo moteur-hélice vraiment cohérent. Ça manque pas de pêche. Les moteurs sont précis en haut et en bas des gaz. Et voilà, l'expérience de vol est aussi très bonne. Un point qui pêche par contre, vraiment là, c'est l'autonomie. Iflight nous annonce donc 6 minutes, oui c'est ça, 6 minutes avec les 550 mAh. Et moi, donc j'ai volé par temps froid, ça je l'admets, il devait faire 0 degré. J'ai volé par temps froid, donc j'ai volé 3 minutes 30 avec les lipos 550 mAh. Donc on peut dire 4 avec par temps un peu plus tempéré. Et on est encore loin des 6 minutes. Pareil pour les 900 mAh, Iflight nous vend 10 minutes de vol, ce qui est vraiment pas mal si ça s'atteint. Mais dans la pratique, on est à 5 minutes 30 par temps froid, donc je dirais aussi 6 minutes par temps tempéré. Et tout ça, c'est sans caméra HD supplémentaire. Donc là, l'autonomie va encore en prendre un coup de l'ordre de 30 secondes, une minute de vol en moins avec une cam naked comme une GoPro Bones par exemple. Bon, ça reste, je vais dire qu'avec les lipos 900 mAh, les 5 minutes 30, 6 minutes de vol, ça reste vraiment super confortable pour un quad de ce format-là. Mais voilà, il faut le savoir. Voilà, donc moi, dans la conclusion générale, je cherchais pas un Avata en prenant un Defender, je m'attendais pas à trouver un Avata. Et finalement, c'est pas un Avata, je suis vraiment pas déçu. On a vraiment une expérience FPV comme avec un vrai quad FPV pur et pas un Avata qui est un peu plus pâteau, un peu moins tuné. On a vraiment quelque chose qui vole bien. Alors par contre, tout ça, ça se fait au détriment de quelques fonctionnalités de l'Avata, comme le stationnaire, les capteurs. Mais je regrette. Et aussi surtout le temps de vol, le gros temps de vol avec un Avata qui est de l'ordre de 12 minutes de mémoire. Je suis pas assez renseigné sur le sujet, mais voilà, on est vraiment du simple au double. Donc voilà, moi je trouve que ce quad là, c'est une belle réussite. On est dans un format compact avec une qualité d'image plutôt qualitative. Alors je dis plutôt qualitative parce que moi j'avais jamais volé avec un O3 et donc voilà, ça m'a permis aussi de tester l'expérience O3. Le retour vidéo dans le masque est vraiment top. Par contre, je trouve que la vidéo 4K est bien sans plus. Par rapport à une GoPro, il y a vraiment un gros gap. Et je reste sur ma faim par rapport à ce que je connais en images de GoPro. Donc voilà, si vous voulez juste voler avec un O3, que la qualité d'image vous suffit, eh ben foncez, parce que du coup pour ce prix là, vous avez un quad qui ramène de l'image assez qualitative, il faut le dire malgré tout, avec une caméra plus protégée, moins exposée que ce qu'est une GoPro Naked. Par contre, si vous voulez plus en termes de qualité d'image, donc ça veut dire aller vers la GoPro Naked, c'est adapté aussi. Par contre, mettez les LiPo 900 mAh, ce qui vous permettra de voler environ 5 minutes. Et là, on aura un quad bien équilibré qui permet de voler malgré tout assez longtemps, avec une belle qualité d'image, aussi bien pour le retour vidéo que pour la vidéo HD en tant que telle. Et on a quelque chose de plutôt équilibré malgré tout. Et si vous voulez quelque chose, je dirais plus FPV, réparable facilement, très ouvert et adaptable, partez plutôt sur typiquement un FoxWoop 25 du même format, qui vaut à peu près dans le même ordre de prix si vous mettez un O3 dessus, et qui volera à peu près le même temps aussi, mais qui sera, je dirais, plus facilement modulaire et évolutif, parce que là on reste sur quelque chose qui est plutôt fermé pour l'évolution, même si je ne doute pas qu'on a des gens dans le hobby qui vont bien bricoler et qui vont nous sortir quelque chose de cohérent avec cette frame là et sur cette structure de quad. Voilà, c'était Pierre pour Culture FPV, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Je vous laisse encore quelques extraits de vol, voilà, ça vous donnera juste une idée de ce que ça donne en vol, même si le vol n'est pas incroyable, mais ça a le mérite d'être là.